Je crois que vous voyez la situation liée justement aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où, hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. Et donc, comme nous avons beaucoup d'amitié, de respect et d'estime pour Sa Majesté le roi et la reine consort et pour le peuple britannique, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation. À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Ce qui eût été détestable pour le peuple britannique comme pour nous-mêmes, c'est au contraire que nous essayons de maintenir comme si de rien n'était, avec des incidents à la clé. Donc il faut organiser ça quand le calme sera revenu. Et donc nous avons proposé que, au début de l'été, en fonction de nos agendas respectifs, nous puissions ensemble caler une nouvelle visite d'État qui corresponde à la fois à la manière de bien recevoir le nouveau roi et la reine consort et de le faire dans des conditions qui lui permettront de profiter de la France, Paris comme Bordeaux. Je serai moi-même présent à son invitation à la cérémonie de couronnement.